département de la Tibonite là. Nous avons visité à l'occasion de fête champêtre Saint-Michel de la Talaye, les populations. Et chaque côté dont nous allons, nous toujours, surtout les fêtes champêtre, faire un geste. Et à la population, et qui, surtout au niveau de Saint-Michel, remettons en pile. Pour qui ça? Parce que, à côté de la loi que nous avons votée dans la Chambre, à côté de contrôle exécutif que nous avons fait, et à côté de fonctions juridictionnelles que nous avons dans le Sénat, et fonction de représentation, nous considérons nos pays du tiers-monde, nos pays en voie de développement, nous toujours, et font façon pour accompagner la population. Et c'est ça qui fait qu'au niveau de Saint-Michel, nous avons des projets que nous avons atterri déjà à Saint-Michel, comme la place publique, n'est-ce pas, de Saint-Michel, qui fait près de 18 ans à terre, qui n'a pas qu'à terminer, et nous avons fait un projet, je veux dire, Saint-Michel gagne. Il y en a plus belle place qui est dans le département de la Tibonite. Et ensuite, nous avons un problème d'insécurité au niveau de Nampol, la section en fait, Maman. Nous avons chita population, nous avons clôturé commissariat pour eux. Et actuellement, nous sommes en train de faire le marché de la Lomas, toujours à Saint-Michel de la Talaye. Nous avons participé, contribué et à la clôture du lycée Chalvay-Peralta de Saint-Michel de la Talaye. Donc nous avons fait beaucoup de projets au niveau de Saint-Michel qui fait que nous avons sympathie, n'est-ce pas, population, et donc il y a l'autre projet qui a atterri toujours. Et là, accueil est toujours cordial à Saint-Michel. Et dans ce sens-là, l'un allait, moi-même, accompagné du sénateur La Tortue, au niveau de Saint-Michel pour faire champêtre là, j'étais accueilli dans une très belle ambiance au niveau de Claque Saint-Michel là, côté guinéen, près de 400 personnes qui t'attendent nous. Et des jeunes, pour la plupart, côté nous avons fait des distributions de poulet, de kits et d'autres choses. J'étais vendu nos transformateurs et tout. Moi-même, personnellement, moi j'étais venu avec des transformateurs pour me travailler dans la zone. Deux ou trois transformateurs. Deux transformateurs, nous avons gagné. Et moi, j'étais très bien content de écouter. Donc, après une heure de temps et d'audience avec en fait, jeunesse là et avec un pile monde Saint-Michel, dans Clac là, nous avons préparé pour passer dans la phase de distribution de ça que nous avons déposé. Et voilà-t-il pas, ils ont commencé à tirer sous local côté noyer et il commence à voir roche sous local côté noyer et tout le monde était prisonnier pendant une heure d'horloge donc dedans tiré à balle réelle oui donc on morgue qui était en face claque là et bandits oh, ce sont des bandits je crois au nombre de 7 ou 8 à peu près puisque les riverains et des noms identifiés en pile d'ailleurs qui t'a tiré et puis qui t'a voué roche sous local là côté noyer dans claque là nous même avec population on fait près de et une heure de temps prisonnier en dedans, c'est agent sécurité non, qui était répliqué avec la police locale qui venait à la rescousse et nous avons même fait appel à la police départementale, donc le directeur départemental pour nous dire non en danger. Et à partir de ce moment, il y a un camion, une moto qui était en route, qui va être arrivé, mais nous avons été en fait secourus par, la police locale et accompagnés de sécurité non, qui prenons, faire nous monter dans la machine en courant, bien entendu, et pour aller au niveau du commissariat, côté dans le porter plainte. Et pendant que nous avons porté plainte en police là, et pendant que nous avons fait juge de PA verbaliser ce qui passé, il y a un riverain qui rapproche nous et qui dit non que même nous qu'on est qui fait ça. Donc c'est ainsi que aussi cité en pile non. Tant que des noms en fait assez drôles comme ça. Tant que Tizo, Tibois, Jasmin, en fait Mette Paret, ensuite il y a un type qui est tête Neymar. Et puis il y a un certain Jol, il dit qui, je suis son employé dans le Sénat, Jol là. Et je travaille tout au niveau de Onan, un bureau Ona, en fait, ici, et pour presse. Et M. Tako, son bras d'exécution, puisque l'information que nous avons dit que. Non, la... excusez-moi, président. Jol a travaillé dans le Sénat. Il a travaillé dans le Sénat. Et parallèlement, il a travaillé dans le bureau Ona. Moi-même, comme président, je viens de travailler dans le Sénat. Il a travaillé dans le bureau Ona, en fait, pour presse, dans le bureau central. Là. Donc, monsieur, il y a deux jobs. Il y a deux jobs. Mais il y a une information qui fait quoi que c'est des responsables AAA qui baillent mon job dans Ona. Alors que sénateur La Tortue, tu es en danger tout, non? Sénateur La Tortue, tu es en danger. Bon, de toute façon, je ne vais pas rentrer dans le détail qui est actuellement dans Ona, dans le changement de gestion. C'est pas rentrer là-dedans, c'est pas l'objet de l'émission. C'est un amalgame que je vais faire tout, parce que c'est comprendre, pas comprendre. Comme, écoutez, qui est-ce qui était nommé, monsieur? Ce n'est pas nous-mêmes encore, et au niveau de AAA? Où ça? C'est au niveau de l'ONA? De l'ONA. Bon, nous avons gagné des détails dans ONA. Qu'on ne peut pas rentrer là-dedans. Au niveau du Sénat, parce que je dis que ONA a changé de main depuis longtemps. C'est ça, ok. On a depuis longtemps le Banamé, sénateur La Tortue, depuis longtemps. D'accord?
Donc, on va rentrer dans le détail. C'est ça. On a lancé Sénat, on est là. Moi, je crois que je suis dans le bureau Sénat. Je suis dans le Sénat à la travail. Depuis combien de temps? Depuis environ peut-être 2 ans. Donc, il y a une lettre de nomination. Ok. Est-ce que vous avez compris? Et moi-même, je vais même préparer pour la nomination. Et en promotion, pas en fonction du fait que monsieur c'est membre, t'es membre AAA. Non. C'est pas en fonction du fait que le membre AAA. Donc, tout simplement, on demande de promotion qui m'a dit, on a préparé le bonheur. C'est pour vous remonter une fausse accusation qui fait. C'est peut-être ça que. Est-ce que vous confirmez que monsieur était en attaque là vraiment? D'après l'information que monsieur voit sur place, donc la veille, il y a un couple qui t'a séparé et il y a une équipe monsieur qui rapproche moi, qui approche moi, qui dit que c'est un truc cantable. Et moi-même, j'ai approché tout pour participer dans la question. Mm-hmm. Moi, étant donné que la situation, je sentais que je n'ai pas essayé de participer dans des bagailles qui impliquaient des officiels, je me fais battre parce que je me suis mais il y a des gens qui arrivaient pour un combat là pour qu'ils fassent ça le besoin. Là. Ok. Ils ont dit que c'est John là qui t'a séparé comme ça, la veille, l'événement ou l'incident. Il serait le protégé de qui ce je ne peux pas dire parce que je crois que normalement. Je cite les noms de ces personnes et je ne dis pas que ce sont réellement ces personnes qui ont réalisé le coup. Mm-hmm. Et il se peut bien qu'il y ait des manipulations d'informations. D'accord? Ok. Mais c'est pour ça que moi-même, je vais mettre à la justice, je vais parler avec les juges là qui verbalisent, je vais citer les noms qui sont bons. Deuxièmement, je vais les commissaires du gouvernement qui, de côté pâle, supposé intervenu pour qu'ils mènent des enquêtes, des investigations pour qu'ils connaissent les auteurs réels. N'est-ce pas, de ça qui fait là, puis qu'on est les complices, n'est-ce pas, et puis qu'on est les co-auteurs, puis qu'on est les commanditaires de ça qui vient là. Et parce que Mabdjou Wendel, ça qui vient là, c'est une tentative d'assassinat avec début d'exécution et qui la donne préméditation. Mm-hmm. Donc moi, je pense que c'est extrêmement important, je dis, que l'investigation, samedi, et moi, je pense que on doit améliorer, nom cité, on doit analyser. Parce que moun kap bay, vraiment, information réelle, c'est après enquête, c'est après investigation. Et moi, mettre moi à la justice pour que la justice fasse travailler ça. Tu as comme l'impression, non, yo, le souprend tout, tout mettez ensemble, li, vraiment, rappelons, on gang. Parce qu'en général, les tisots, les tisots, diol, tigé, donc yeah. Tout ça, vous rappelez. Il y a beaucoup de tirs en Haïti. Oui. Ouais. Et les audios, c'est ainsi connu. Okay. Donc c'est Tizo ainsi connu, bien Jasper ainsi connu, Mette Parette ainsi connu, Tibois ainsi connu, bien Tipe ainsi connu. Donc c'est sous nom ça vous connaissez. Donc on va sous nom ça, mais Mabdio pas considérer que information sous nom Bayo que réel jusqu'à présent. C'est la police qui a déterminé, là c'est la justice qui a déterminé. Est-ce que non ça vraiment c'est yo? D'accord sénateur. Et nous gagnons un gros problème dans la société parce que quand même. Et en tant que président de l'Assemblée nationale, accompagné de l'autre sénateur, pas n'importe lequel, ou ancien président, donc il faut croire que y a un problème grave dans la société, hein, et les attentés à la vie nous ont tiré sur nous. Donc, est-ce que. Bon, d'abord, il faut que l'on mort à tout, très certainement, nous comprenons qu'on est capable de mourir, mais est-ce que ce n'est pas une occasion pour question criminalité et insécurité à adresser en profondeur? Un. Deuxièmement, est-ce qu'on croit que l'attaque ça, l'État a gagné une main politique d'elle? Moi, je ne parle pas de faire style de réflexion ça, que gagne une main politique là-dedans. Et ma paix sûr que gagne une main politique là-dedans, c'est là que l'investigation finit. Parce que en tant qu'homme d'État, je ne vais pas accuser, à dire n'importe qui bagaille. Donc, moi, je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui, hein, pour que nous comprenions que ça qui fait là, les réaliser par des mains expertes, n'est-ce pas? Et par des bandits, ou 7 ou 8, tu as dit c'est la jeunesse là qui a brûlé à bas rentable. Non, je suis très à l'aise. Si bien que, après que je suis sorti dans la situation, ça, à 8h du soir, je fais une séparation dans le village de solidarité. Mm-hmm. Donc, il y a plus de monde qui est venu accueillir moi. Donc, ce n'est pas un problème de, avec Moun Saint-Michel. C'est une question de bandits qui viennent faire, n'est-ce pas? Donc, bandits qui viennent faire, ce sont des mecs, des gens qui sont habitués. Des gens qui ont payé pour faire ça, ils ont toujours payé pour faire ça. Les gens qui ont fait. Et après, un peu partout, après au Prince, à Saint-Marc, à Machin, bandits, ça, ils sont là, ils ont opéré. Donc, moi, quoi que. Pas d'arrestation qui fait? Non, il y a beaucoup. Moi, je dis que Mbaf le dit que y a une main politique d'elle. Mbaf le dit ça. C'est l'investigation qui a déterminé, n'est-ce pas, les commanditaires de ça qui fait là. Nous voulons que la justice est fait. Qui position? On va faire spéculation. C'est ça. Et de l'autre côté, moi, écrit au président de la République, il y a environ 15 jours. 10 jours à peu près, côté demander au président pour qu'on rencontre entre les trois pouvoirs qui fait. Le pouvoir législatif,
le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire pour qu'ensemble nous puissions poser problème d'insécurité, décortiquer et joindre les solutions appropriées. Parce qu'aujourd'hui, le pays, en termes de sécurité, connaît une descente aux enfers. Ce n'est pas normal pour chaque grand haïtien pas qu'à quoi que vous levez et rentrer la caillou. Mm-hmm. Donc, je pense que ça a impliqué nos nommés en tant que responsable, mm-hmm. en tant que président du Sénat. Qui position impliqué mon premier chef. Quelle position qu'on exprime par rapport à la présence Arnel dans l'Artibonite? C'est quelque chose qui est inadmissible. C'est quelque chose qui est inacceptable. Pourquoi on dit ça publiquement? Pourquoi ne pas le dire? Je suis un responsable. En tant que responsable, l'insécurité bat son plein au niveau de mon département. Et en fait, c'est des bandits qui ont fait lit au niveau du département. L'extrêmement important, je veux dire, pour nous, en tant que responsable, nos chita, pour nous déterminer une stratégie, pas seulement au niveau du département de l'Antibonite, au niveau du pays en général, pour nous, comment pour nous juguler, comment pour nous mitiger, n'est-ce pas, question de insécurité, ça, qui fait que ni vous, ni moi, ni président, ni ministre, personne, ni ambassadeur, quel que soit mon nom, n'est pas de sécurité dans le pays. Ça. On peut parler avec le sénateur Delva. C'est un collègue, pourquoi? Non, on parle avec souvent. Souvent, c'est un collègue. Et qui se conseille qu'on balie par rapport à la conversation que l'on a avec Arnel? Moi, pas entrer dans le dossier relation au collègue avec moi. C'est pas, ça ne fait pas comme ça. Et seulement en tant que berger au niveau du Sénat de la République, et moi, je crois que faut me surveiller à, en fait, sécurité tout parlementaire. Et il faut me veiller à la sécurité de tout le parlementaire. Et il faut me veiller à la discipline, n'est-ce pas, à l'éthique au niveau du Sénat de la République. Il faut me veiller à bon fonctionnement du Sénat, il faut me veiller à ce que des lois votées, etc., pour nos productifs, etc. Donc, c'est moi, ça mène à la relation personnelle au sénateur avec l'autre monde, je ne vais pas rentrer dans la relation personnelle. Mais seulement, je me dis que ce dossier-là, je ne vais pas parler presque. Mm-hmm. Et je ne vais pas parler. Je dis, je ne choisis pas parler. Et je choisis très sobre dans le parler parce que je n'ai aucune information. La seule information que j'ai sur ce dossier, c'est que Wendel et la commission justice et sécurité du Sénat qui demande des présidents Sénat pour écrire en fait et Konatel et un ministre PTC pour demander au ministre PTC et sous tel numéro de téléphone que vous avez pour mettre à la disposition les appels rentrants, n'est-ce pas, et les appels sortants, d'accord. Donc je n'ai pas de réponse, en correspondance responsive, on est responsive de la part du ministre PTCA, qui dit que, eux-mêmes, dans le niveau Konatel, parce que le ministre PTCA, c'est le ministre de tutelle pour Konatel, eux-mêmes, dans le niveau Konatel, ils n'ont pas d'aptitude technique et juridique pour agir sur la question. Mm-hmm. Restons-en là. C'est l'aide, ça seulement, on est responsable, c'est ça seulement, on l'aide que je me suis adressé pour la commission justice et sécurité, et on est responsable pour me suivre. Même pas une pièce d'information. Mm-hmm. Le président, s'il n'a pas allé, son paquet d'affaires. Mm-hmm. Le président, s'il n'a pas allé, il est prisonnier de la parole donnée. Mm-hmm. Puisque pour une pièce d'information, pas fait pièce déclaration. M'abstenir. M'attendre que je me l'autre information à partir de ce moment, moi-même, population là, pour me dire moi, je suis protection, population là, pour me désécuriser, et bien là, je au maximum d'informations, je fais des interventions, n'est-ce pas, appropriées. Je dis à moi que dans le contexte que nous vivons là, c'est un gros privilège que Métropole Gain, lorsque c'est le président Sénat qui est là, et comme je dis déjà, quand vous siégez, vous êtes le président de l'Assemblée nationale et même deuxième personnalité importante sur le plan politique dans le pays. Président Cantave, il y a souvent longé douette sous parlementaire qui gagne un pile monde armé derrière le cap de sécurité et monde ça yo yo gè gros âme dans main yo et gagne qui kon enfin nous même qu'on dit que ça arrive que il y a des parlementaires qui ont des gangs, des membres de gangs d'aide qui protègent, qui ont la sécurité avec des armes lourdes, des armes automatiques. Si c'est vrai que le problème ça existait, qui Jean-Président Cantave entend adresser le problème ça? Moi, je crois que. Si c'est vrai, il existait. Moi, je crois que. Et chaque sénateur a droit à deux agents de police. Légalement, c'est ça que je connais. Et je connais que chaque parlementaire a droit à deux agents de police. Donc pour le reste, s'il y a, je dirais, des mondes irréguliers qui font partie de sécurité en sénateur, je pense que ce n'est pas normal. Parce que ça a augmenté l'insécurité. Et moi, je crois que il y a des enquêtes qui sont faites dans ce sens. Et ce problème sera adressé en conférence des présidents pour que nous puissions discuter, les décortiquer et faire des propositions à ce sujet, si c'est vrai. N'est-ce pas? C'est ça. Et de l'autre côté, je pense que la justice,
bien pour le fait ou même si son pouvoir indépendant. Donc si ça a menacé la sécurité du pays, moi je pense que il y a un instant judiciaire qui est placé pour ça, qui a fait les enquêtes et puis arriver en fait révéler son sorti en fait avancer là et pour que ensemble nous capoter des corrections la question ça parce que il est pas normal si c'est vrai que des agents en fait des sénateurs de la République ou des députés qui ont des monde irréguliers avec eux, des monde qui est impliqué dans affaire louche, des gangs, n'est-ce pas, avec eux, des bandits avec eux qui va assurer sécurité eux. Mais moi-même de façon régulière jusqu'à présent au niveau du Sénat, moi connais que sénateur gagne chaque sénateur gagne deux agents de police avec eux. Moi comme président, j'ai quatre agents de police avec moi et je pense que ça supposé faire objet d'une grande enquête que moi-même personnellement je vais le pencher sous lit de côté par moi et à partir de ce moment pour que nous fait la leçon avec tout le monde qui t'a contrevenu avec ça qui normalement t'a supposé fait. Merci pour question pour réponse non sénateur. Vous dites à l'heure que son cette lettre côté recevoir le Conatel par rapport à non de la du ministère du BDC parce oui. Que le directeur général du Conatel n'a pas d'entrée n'est-ce pas au niveau du Parlement, c'est à travers le ministre de tutelle que on doit adresser le Conatel. Mais qui bon sénateur j'ai une information yo. Non, je pense qu'il faudrait lui demander cette lui poser cette question. Le sénateur sénatus est grand. C'est un sénateur comme moi. Je suis le président du Sénat, mais je suis sénateur. Donc, j'ai un droit de gestion sur l'Assemblée. J'ai un certain droit de regard aussi sur les sénateurs. Mais je pense que cette question devrait être adressée au sénateur sénatus lui-même. Ce qui va se faire, ne vous en faites pas. Je lui poserai la question opportunément. Yeah. Attends, et président Cantave, en plus, on attend une question politique là. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'il a arrêté en sortie. Oui. Arrêté à sortir, c'est pendant le studio à Mouéli, donc à côté de vous. Donc, moi, arrêté à sortir. Est-ce que ça veut dire que c'est en salle à la fête? Non. Bah ouais. En fait, pas de possibilité pour séance à la fête, je veux dire. Pourquoi? Parce que pour une séance faite, surtout si c'est le séance à l'eau, il y a un minimum de prérequis. Le minimum de prérequis, c'est que tout d'abord, il faut arrêter à. Non. Hier, notre sur une liste, qualifié d'un tract gouvernemental. Et que moi-même, pas accepter en tant que président du Sénat, parce que je me dis qu'il faut gagner l'élégance en question, hein, et il faut gagner respect pour l'institution, côté gagner, on traque sauté, et sauté dans la primature qui vient jouer le nom, et je dis voici les noms des ministres. Non, je me dis qu'il y a une procédure. La procédure qui est normalement engagée, et c'est comme ça qu'elle toujours faite, c'est que, avant, on dit que dans le cabinet ministériel, il faut qu'ils vont arrêter qui sauté et qui publié dans le journal Le Moniteur, qui dit que voici la liste, n'est-ce pas, des membres du cabinet ministériel. Et il a accompagné le moniteur là, donc correspondance officielle, dûment signée par le président, n'est-ce pas, et qui voyait le cabinet à Banon, qui voyait le moniteur à Banon, et à partir de ce moment, donc, il a dit que nous avons un magasin officiel dans le maintenant. Donc je dis à maintenant qu'il m'a fait le moniteur, je dis à puisque il est sorti, et avec une correspondance officielle, disant que voici la liste, n'est-ce pas, des ministres. Étant donné que je dis à nous avons liste ministérielle, le cabinet a sorti, pas arrêté, et il y a un magasin qui peut faire, et ça qui peut faire qui s'allie, c'est que. De la même manière que il y a une commission, la commission d'étude des dossiers du Premier ministre et des ministres et des secrétaires d'État, qui fait un travail sous le dossier Premier ministre-là, aller dans les DGI, aller au niveau de consulter les comptes du contentieux administratif, aller au niveau de archives, aller au niveau de immigration, puis on prend des informations, en vertu, je dirais, des requis de la Constitution. Donc, vous pensez, même gens. Bien, même bagarre qu'on va faire pour ministres, surtout les nouveaux ministres. Nouveaux ministres qui eux-mêmes sont supposés et gagner contrôle commission. Donc, il faut nous bailler commission en temps pour faire contrôle dossier ministre pour que l'aller au niveau de l'institution soit dit, puis capable de voir est-ce que ministre obéit aux requis de la Constitution. Donc, je vous dis à nous recevoir, est-ce que je vous dis à nous capable de dire, même je vous dis à nous allons entendre, parce que nous allons recevoir un cabinet. Même si nous sommes prochés pour aujourd'hui à 9, mais il est matériellement impossible en termes de temps pour que nous recevions, puisque ministre, il faut aller explorer le dossier et il faut aller dans l'institution de société, puis ouais, est-ce que vous matchez avec sa constitution dit. Donc ça m'a donné un certain temps. Bon, ça m'a donné un certain temps. J'ai augmenté la taille numérique de la commission pour que nous allions plus vite. Nous avons 5, nous allons passer à 7. De sorte que chaque groupe n'est pas une institution rapidement pour que nous allions de façon célère. Avec question et libérer le pays dans sa ligne aujourd'hui, dans la vacuité, dans le vacuum gouvernemental que lui aujourd'hui. Nous allons tourner sur question ça et en profondeur. Et votre langue, en fait, séance qui a été faite,
y a pile question que me ta doit poser parce que j'ai envie comprendre parce que auditeur ou téléspectateur tout mais on va faire un sourire pour moi président n'a tourner avec ça après posant d'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président du Grand Corps, le sénateur Karl Murat-Cantave, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Je rappelle notre invité ce matin, le président du Sénat, docteur Karl Murat-Cantave. Sénateur, pour qui ça, dans l'autre pays, former un gouvernement, c'est... Ou t'as gagné l'impression sont simples démarches, sont simples formalités. Et pour qui ça, en Haïti, c'est difficile, autant? Bon, Haïti, c'est un pays qui est extrêmement complexe, très complexe. Qui est complexe dans le sens que, qui est un pile formation politique dans le pays. Et... Il y a un pile de monde qui, dans le secteur politique là, qui a participé dans le gouvernement et pas assez de place pour tout le monde. Et chaque monde qui a pris au dos, si tel bagage n'est pas fait, mais réponse soit bien. Ça, c'est un. Deuxièmement, la majeure partie du monde qui est entrepreneur, ils vivent de l'État. L'État, c'est le principal employeur là. Et les gens sont intégrés autour dans le gouvernement qui a formé. Troisièmement, au niveau du Parlement, surtout dans le contexte où il y a une élection, il y a des parlementaires qui sont bien positionnés pour réaliser certains projets pour qu'ils soient à l'aise dans l'élection qu'ils vont aller. Et moi, je crois que il y a la presse tout, qui est au pouvoir, qui est à questionner chaque geste qui est posé au niveau de l'exécutif là, et même au niveau du Parlement. La presse a questionné. Donc la presse a vint tourner et d'une certaine manière, on sort d'épouvantail et tout. Et à partir du moment où ça, le gouvernement a formé en pile prudence qui fait eu égard à tout ça, tout ça. Donc, il y a eu la forme au gouvernement, le Parlement doit jeter. Il y a eu la forme au gouvernement, et pour, au niveau de la presse, il a protesté. Il y a eu la forme au gouvernement, secteur privé, qui vivent pratiquement de l'État, ou pour la plupart de l'État. Il y a contesté. Il y a l'autre secteur encore qui a fait des contestations sur tout ce qui a fait. Donc, il y a une extrême prudence pour que le gouvernement soit formé, pour que le gouvernement les rapproche de la perfection. Donc, c'est ça qui fait que, il est difficile pour arriver à former un gouvernement. Hier, j'étais avec le président de la République. J'ai discuté avec le président. Moi-même, je pense que être président de ce pays, c'est un bagage qui est extrêmement dur, être président de ce pays. On tiraille à droite, à gauche. Des fois, on va prendre côté pour mettre tête. Des fois, on va demander excuse au président, même non, on ne va pas oublier. À tellement gagner, on va travailler. Le président Rivelosa, il dit ça, mais c'est vous-même qui faites le constat. Non, j'ai fait le constat. Donc, le président n'a pas besoin de me dire qu'il est tiraillé. Moi, je connais que le président est tiraillé. Parce qu'il y a une pression de toutes parts qui est venue. Mon gouvernement en Haïti, ce n'est pas facile. Surtout dans nos pays, que c'est l'État qui est le principal pouvoir d'emploi. L'extrêmement difficile pour que au mouton gouvernement, parce que tout le monde a fait pression pour que ces monde pas occupé. Mais c'est quoi le rôle que le Parlement a joué dans la formation de ce cabinet? Dans la formation de ce cabinet? Quel rôle que nous jouons? Bon, moi-même, je dis que jusqu'à présent, je connais des groupes dans le Sénat qui, justement, en consultation avec le président, qui étaient en consultation avec le président, qui demandaient des postes, mais... Non, mais bien publiquement, ils ont dit qu'ils n'ont pas travaillé comme ça. Vous avez des partis politiques, vous avez des parlementaires affirmés haut et fort qu'ils n'ont pas d'information au gouvernement, ce n'est pas ça qui intéresse eux, ce n'est pas Bayon Dior, mon poste qui peut changer le pays. Hein. Et puis, il y a des parlementaires tout qui tévelaient à travers leur dire privilégié, si vous voulez, question de contrôle, hein, que c'est mission. Yo. Non, ça c'est pour certains parlementaires, mais il y a d'autres parlementaires qui sont intéressés. Moi, le dois bagaille. Il ne faut pas faire hypocrisie dans la question. Il ne faut pas faire masquer la vérité, il ne faut pas farder la vérité. Il est extrêmement important pour nous comprendre la situation dont je vous dis à la veille des élections. Si un parlementaire d'où il va intéresser à poste, il est en train de te mentir. Les regards des constitutions, la constitution dit que le parti majoritaire
au niveau du Parlement, c'est ce parti qui forme le gouvernement. Ou pensez un parti majoritaire qui va le former au gouvernement, qui gagne des parlementaires, forme des parlementaires. Donc aussi, si on va être droit déjà à des parlementaires, à des sénateurs, à des députés, à travers le parti, qui ont participé à la formation du gouvernement. Mm-hmm. Et je crois que tout le monde apprend ça, ils fait parlementaire autonome MOS, parce que le parlementaire dit qu'il a voulu participer au gouvernement, il a voulu gagner un représentant dans le gouvernement. Alors que je connais des gens dans la presse qui gagnent dans le gouvernement. Je connais des gens dans la société civile qui gagnent dans le gouvernement. Je connais un pile d'autres monde qui gagnent dans le gouvernement. Mais pour qui ça, sénateur, député, Fataga gagne dans le gouvernement? Donc, je ne pense pas que là. Non, parce que. Je ne pense pas que là, c'est une façon. Parce que nous ne disons pas que nous avons pas parlementaire pour nous gagner un job, nous pas gagner pour nous contrôler le gouvernement. Non, on peut contrôler, c'est je vais te dire. Mais comment contrôler? Est-ce qu'on rappelle au sénateur Fataga? Est-ce qu'on peut, se contrôler? Je vais te dire. Il y a pas d'exemple bien simple et tu vas comprendre. Ce gouvernement privé là, aussi voilà là tout le temps, le principal opposant du président privé, c'était le sénateur Cantave. Chaque fois que je montais au créneau à la presse, c'est frapper, en fait, président. Pourtant, nous avons un ministre dans le gouvernement. C'est moi qui ai proposé le ministre, je dirais, de l'espoir, M. Abel Nazaire. Le sénateur La Tortue pour le groupe des neuf, le groupe minoritaire, avait proposé M. Dorson de Beauvoir pour en fait, le ministère de l'Éducation. Mais pourtant, en termes de contrôle de l'exécutif, moi, un monde qui était très poussé dans le contrôle de l'exécutif. Ce n'est pas une incohérence dans ça? Non, on peut avoir quelqu'un au niveau, je dirais, du gouvernement qu'on propose. Donc, cette personne-là se met à la disposition du gouvernement, à la disposition de l'État haïtien. Donc, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas à contrôler. Donc, moi-même, mon exemple, pour me dire qu'il y a le sénateur Cantave, c'est un monde qui est contrôlé un peu le gouvernement privé là. Quoique nous avons gagné deux mondes comme ministre qui était proposé par le groupe minoritaire. Et dans le monde qui était proposé, moi-même, je suis ministre des Sports, et le sénateur La Tortue était proposé pour le groupe minoritaire. Alors, une question, sénateur. Très bien. Mais pourtant, ce ministre était contrôlé. Non, mais est-ce que dénoncer à la presse est synonyme de contrôler? Oh, parce qu'il voit Fampil pas seulement dans la presse. J'ai participé. Alors, ce que je veux dire, permettez, ça qu'arrivé, on a shooté fort dans la presse, mais on pas contrôlé l'exécutif véritablement. Parce que contrôle là, c'est pas dans la radio, c'est en bas. Très bien. C'est demander des explications en bas, avec possibilité de destitution. Très bien, je vais te dire. Quand tu fais ton contrôle au niveau du Parlement, tu peux en faire l'extension au niveau de la presse. Il faut me parler à la presse. Je vais contrôler au niveau du Parlement, et pendant que je contrôle, il y a des journalistes qui ont interviewé. Et moi-même, de côté, pas me dire, mais quel type de contrôle m'a fait? Donc, parler à la presse, c'est ouvert cadre là pour tout le monde qui attendait. Des fois, on fait par exemple contrôle là, ou fait contrôle là, à cercle fermé, en vase clos. La presse vraiment qui a fait un reportage là, de toutes sortes de choses. Mais bah, après, on va en résumer, mais si on est invité du jour, par exemple, ou du moins, si vous faites une intervention de la presse, on dit, tout ça que tu as dit, plus ou moins, dans la séance du contrôle là, au deal. Donc, sous forme d'extension de contrôle là au niveau de la presse. Okay. Ça veut dire que, je dis, alors, on a dit que sénateur, pas qu'il doit participer, ou député, pas qu'il doit participer, ou proposer des noms, ça va le dépendre. Ou proposer un nom, ou mettez-le à la disposition de l'État haïtien, à la disposition du gouvernement. C'est pas petit rail, mon a dit, bon ceci, bon cela, c'est pas ça qui est important. Mais si c'est au cadre où proposer, c'est le café job là, il y a compétences, il y a niveau, il y a valeur, il y a servi l'État, donc on va pour qui ça, il n'y a pas qu'à faire. Or, on dit que la constitution dit que. Président Cantave, est-ce que c'est pas pour avoir la bonne grâce de vos collègues je veux dire, est-ce que c'est pas le président? Je vais vous dire. Je vais vous dire. Nous sommes en présence d'une réalité. Sénateur Cantave, comme qu'on est, hein, qui m'habitue à recevoir là, qui est toujours respectueux des principes à travers ses prises de position, c'est pas les mêmes que l'impression qu'il a. Je vais vous dire. C'est un sénateur, un président assagi qui a justifié, bon, pas dérive, qui a justifié quand même les agissements de ses collègues. Est-ce que c'est pas parce que c'est président qu'il y a qui faut gagner l'engagement aujourd'hui et qu'avant, on a bon l'autre langage? Non, on a dit, non, pas d'accord, écoute. Nous qui travaillons, nous faisons le travail, nous qui sommes contrôlés. Non, maintenant, je ne vais pas te suivre. Parce que je viens non, à peine de dire. Je ne t'ai pas demandé non plus de me suivre. Je vais te dire, Wendell. Je viens tout juste de dire que je n'étais pas président, j'étais sénateur de la République. Je n'étais pas président. Mais j'avais participé au gouvernement privé. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est pas l'homme venu président Massagi. Avant, de quoi que l'innormal, si on a un bon cadre qui est capable, qui a valeur, qui a une compétence, qui a servi pays, ou qui doit proposer le gouvernement. T'es fait l'homme des sénateurs. Donc,
je dis en tant que président, je dis même bagaille là encore. Donc pas de changement, pas de écart, pas de démarcation, pas de différence entre ça que tu fais sous privé là et ça m'a dit je dis. Moi je voulais pour nous comprendre la réalité. Si je vous dire quelque chose. Son point m'a fait juste un point. Très bien. Combien de ministres qui gagnent pas qu'on aller au-delà de 20. Il pas aller au-delà de 20. Ministre, secrétaire d'État, directeur général, je ne sais pas quoi le 30 non plus. Donc, on gagne presque une trentaine de sénateurs, on gagne environ une centaine de députés. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour ta répondre à la demande de chaque parlementaire? Non, ce n'est pas ça l'approche, Wendel. Et je pense que l'approche doit être une approche de groupe. Si par exemple, il y a trois groupes au niveau du Sénat de la République, chaque groupe vient à la chita, discuter avec le président, mais au terme, il fait le bagarre, mais comme ça, il faut entendre avec lui. Donc, c'est bon, question de chaque sénateur, ça, c'est une face des autres, des tapiers. Tu as supposé au monde. Donc, moi, je pense que ce n'est pas là la question. Moi, je voulais venir sur un point avec vous. Je vous dis, nous, on fasse en réalité. La presse ne peut pas voter le Premier ministre. Ça, c'est réalité. Hein. Deuxièmement, les membres de la société civile ne peuvent pas voter le Premier ministre. Deux. Tout le monde entend qui parle, qui dit, ce n'est pas eux qui ont voté pour le ministre, c'est le Parlement qui va ratifier l'énoncé de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Donc, dans tout pays au monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, tout partout, Canada, toujours une approche, ça yo, toujours un style de assise avant formation du gouvernement entre président avec et les parlementaires. Avec la différence, avec la et différence. Les parlementaires. Et avec la seule différence, vous faites bien vite. Non. Ça, c'est notre aspect, c'est notre question. À faire vite là, c'est notre question. Parce que nous-mêmes, les procédures sont quand même différentes de procédures par eux. Mais je veux dire, il est clair que partout dans le monde, pas un gouvernement qui a compté sans que pas rien ont assise qui fait entre parlementaires avec président ou bien premier ministre. Et parlementaires, toujours, question ça a toujours fini, assise ça a toujours fini par le fait que il y a des groupes de parlementaires suivant influence en dedans qui font faire des propositions dans le gouvernement aux États-Unis, partout, ils ont fait. Mais pour qui ça allait faire en Haïti, et puis ils ont traité les sénateurs de vieux de n'importe quoi, donc ou bien députés. Donc c'est quelque chose qui peut se faire parce que finalement, qui est-ce qui va le voter? Les gens qui vont voter, c'est eux qui vont voter. Je ne vais pas pour les gens exagérer comme sénateur, comme député, pour le tout gouvernement, tout pays. Mais il y a un minimum, je dirais, de cohabitation qui a fait pendant que le contrôle là, donc il y a un contrôle là en vie, je vais déjà. Le problème qui a gagné, c'est que je décide de contrôler mon parole là, je ne vais pas contrôler mon PAM non. Très bien. Est-ce que le problème ça ne va pas poser tout? Non. Si je connais un gouvernement, un ministre, c'est moi-même qui ai désigné le sénateur. Quelle question m'a posé Mounsa? Dans une commission, il n'y a pas qu'une personne. Dans une commission permanente, on peut avoir entre 3 jusqu'à 7, 10 personnes, jusqu'à 12, 13 si on veut. Donc, la personne qui propose peut décider de ne pas contrôler, mais et les autres collègues qui font partie de la commission, ils vont justement intervenir pour demander que tel ministre soit contrôlé. Donc, je pas banaliser les questions, non. Même nous, mais comment on va au fait, est-ce pas au niveau du Parlement. Mais en retournant sur ce point côté fait valoir il y a quelques instants, sénateur, c'est l'aspect, je veux dire, on a pris un petit temps avant de fixer date. Séance là. On va le faire aujourd'hui même. Je ne peux pas le faire seul. Okay. Je suis le berger. On va fixer la date. Mais je ne suis pas la bergerie. C'est ça. On va fixer la date aujourd'hui. Oui, ensemble. Ensemble. Je ne peux pas le faire seul. Je dois avoir les sénateurs sur le forum des sénateurs. Je vais envoyer, n'est-ce pas, un texte pour demander aux sénateurs de dire ce qu'ils pensent. Et ensemble, à travers le forum, nous allons arrêter une date pour que le plus vite que possible, donc à permettre que le pays a doté d'un gouvernement. Je dépose mon sénateur question ça déjà et il était bonne réponse, mais je décide de retourner sous lui pour une meilleure compréhension de question président Cantave. Et pour qui ça nous oblige à passer en revue dossier chaque ministre, alors que non seulement Guy était déjà là déjà, qui était déjà ministre, et que c'est pas nécessaire que nous obliger, qu'il ne peut pas paraître nécessaire pour nous obliger réexaminer un dossier encore. Est-ce que ce travail ça n'est pas fait déjà? Est-ce que c'est pas président de la République là, c'est le premier ministre là, qui au même tagué pour mission pour passer en revue le dossier de chaque ministre, comme c'est eux même qui pratiquement employeur. Et que même au niveau du Sénat, on parle de la bénédiction. Et c'est même genre avec son monde de côté, mais il a besoin de job pour m'aller. Donc, je mets en place président et premier ministre. Un entrepreneur privé, par exemple, un patron.
c'est moi-même qui ai examiné les pièces pour nous, moi, s'il correct, est-ce que la capable de faire ça, me voulait faire. Donc, est-ce que le président de la République et le premier ministre, est-ce que ce n'est pas à eux pour faire travail ça? Qui ça, député, pour aller chercher qu'on est en plus? Vous pas chercher où est-ce que la nationalité, est-ce que la nationalité haïtienne, est-ce que bah, on citoyenneté étrangère, est-ce que c'est ça nous pas chercher? Le contrôle du gouvernement doit se faire en amont et en aval. En amont, avant même qu'il rentre, sur la constitution, il faut que nous vérifions est-ce qu'ils répondent avec exigence constitutionnelle. Ça, c'est en amont. Et en aval, les gens commencent à gérer, il faut nous voir quel type de gestion qu'il a fait. Donc, je pense que là, son droit que nous avons, son prérogative constitutionnelle que lié, n'a pas exercé prérogative. Donc, Waldo Wendel. S'il est vrai, son dit, Wendel. Non, Basile, non. Je vais vous poser une question. Vous posez question. Si c'est ta vraie hypothèse ou avancée, c'est ça, à Saldaye, ou approche ou fait, n'est-ce pas, c'est Saldaye, eh bien, moi, je pense que. Nous n'avons pas besoin de voyer le ministre de l'Environnement qui doit monter dans le gouvernement. C'est moi-même qui suis en fait commission, dans la sous-commission, dans l'immigration. C'est dans l'immigration pendant qu'on a fait contrôle. Et avec l'autorité immigration, nous voyons que le ministre de l'Environnement, qui est remplacé par Jude Joseph, le ministre ça, c'est de nationalité étrangère liée. Ça, c'est la responsabilité du président et du premier ministre qui garde le monde qui va gagner la nationalité. Oui, écoutez, donc, il y a le double contrôle maintenant. Mm-hmm. Si au niveau, en fait, président, l'exécutif là, ils font premier contrôle, et bien, nous même tout pour que nous pas quitter n'importe qui moun rentrer, ou étranger rentrer dans le Parlement, hein, ou moun qui gagoter l'argent de l'État dans la condition mal entrer dans le Parlement, hein, pour nous pas porter responsabilité hein, en tant que moun qui a contrôlé, suivant sa constitution de bon enfer, et bien, c'est normal pour que, en amont, nous fassions contrôle ça. Il est vrai, nous allons aller vite, mais il est important pour que nous ayons des informations précise sur chaque ministre qui a entré dans le cabinet ministériel là et qui va travailler pour la population à travers les ministères, à travers les entités ministérielles. C'est le job, non, mm-hmm. En tant que contrôleur. Okay. C'est ça la constitution qu'on a fait. Non, nous et nous on a veillé, il faut nous veiller, et en amont et en aval. Oui. Qui chance Jean-Michel Lapin pour le passer dans le Sénat? Je peux dire que, au niveau du Sénat de la République, moi, Pavlé, opiné pour chaque groupe. Moi, je pense que la question ça a été posée à chaque groupe. J'ai parlé à plusieurs groupes. Le groupe G7, j'ai parlé au groupe G5, j'ai dit G7, c'est pas G7, G7, n'est-ce pas? J'ai parlé et au groupe G5, constitué de 5 personnalités, alors que pour le G7, il y a 12 collègues. Et j'ai parlé au groupe Inform, c'est-à-dire les indépendants. Tendance là, au niveau du Sénat, il pratiquement paraît favorable. Mm-hmm. Il paraît favorable, jusqu'à présent. Mais, la Kaino, dans le Sénat, si assis yo, avec le président, groupe yo, avec le président, pas révélé, yo, satisfaisant, eh bien, il y a une chance pour que la positivité ça, il bascule vers la négativité. Je dis à me penser que dans un moment, avant de recevoir le Premier ministre là, et ces procédures coutumières là, c'est ça que toujours fait, mm-hmm. Dans tout cabinet qui a formé, toujours une assise avec les partis politiques, n'est-ce pas? Et des fois avec sénateurs ou députés, ok, qui sont dans la chambre. Et d'autres fois, toujours une assise tout. Et en même temps, toujours une assise tout avec des sénateurs de façon séparée du parti politique. Depuis, pour respecter les procédures, le président entend avec les groupes sur la question au niveau du Sénat. Et monsieur, que au niveau du Sénat de la République, monsieur Jean-Michel Lapin, il y a une chance pour le passer. Mais il faut qu'il y ait des assises d'abord. Parce que je ne suis pas les groupes, je suis le président du Sénat, je gère l'Assemblée, je fais l'arbitrage, n'est-ce pas, de l'Assemblée, mais je ne suis pas les groupes. Ouais. Je suis le berger, mais je ne suis pas la bergerie. Mm-hmm. Donc c'est à la bergerie maintenant de s'asseoir avec le président de la République pour discuter et pour s'entendre, n'est-ce pas, sur la question de ratification de l'annoncé de politique générale du Premier ministre. Ça arrive à nous retourner sur ce point encore, mais en mettant de côté, entendre pour nous ça pas le passé. Sauf que nous connaissons, d'abord, nous avons dans une semaine, un gouvernement installé, opérationnel, fonctionnel, qui va commencer à manier les grands dossiers. Donc, le dollar qui a monté, jouer sur la vie chère et autres, vous pensez dans une semaine, la séance a fait. J'ai pas une boule de cristal en main. Non, ça, c'est pas rapport à la vie chère et autres. Oui, la vraie question, est-ce que dans une semaine, je dois voir les collègues, je vais les voir tout à l'heure. Okay. Et moi, j'avais le droit, ou que même par téléphone, pour moi, le bundo, mais ça a fait. Mais, Mabdo, mon avis personnel, c'est que le pays a souffri, le pays a pas arrêté. Il y a un vacuum qui fait que
qui l'argent que tu as supposé entrer dans le pays, il n'y a pas qu'à rentrer. Il y a FMI, il y a BID, etc. que tu as supposé mettre du 10 dollars frais dans le système. Nan. Mais malheureusement, à cause de problèmes du gouvernement qui gagne du vide là, institutionnel ça, pas qu'il y a l'argent qui rentre. N'est-ce pas? Il y a Taïwan qui gagne un accord de près de 150 millions pour le réseau électrique. Donc, tout ça, comme ça, il n'y a pas rentrer. Donc, pour moi, c'est un monde qui pratiquement a passé le pays. Ça suppose avancer dans le sens pour qu'on aille vite. Et je pense que tous les sénateurs ont mobilisé à l'effet de débloquer le pays. Je ne peux pas parler pour la Chambre des députés. Il a en fait cette chambre à son président. Donc, histoire de vous dire d'inviter le président, n'est-ce pas, qu'il vous parle de la Chambre des députés. Mais pour le Sénat, vous comprenez que les sénateurs ont mobilisé à l'effet pour y apporter une réponse, n'est-ce pas, et c'est l'heure à question affichée à travers ratification politique générale, en fait, gouvernement et Moïse Lapin. Ministre conduit, pas besoin de charge même. Non, puisque, bon, je ne pas dire ministre conduit, pas besoin de charge. Je vais le quitter, c'est l'Assemblée qui discute de ça. Ok. Je ne vais pas répondre à la question du fond, ça. Je vais quitter, c'est l'Assemblée à la lumière de la Constitution qui répond à la question, ça. Mais le président ne peut pas se prononcer sur la question. Mais je dois vous dire que le président a le dernier mot. Pour les points de droit, c'est le président qui tranche. Ce n'est pas l'Assemblée qui tranche. Okay. Pour les points réglementaires, ce n'est pas l'Assemblée qui tranche, c'est le président qui tranche. Et de quel sens les rappels au règlement ne sont susceptibles d'aucun débat. Donc le président a fait vert pour trancher. De quel sens? Dans le sens de la légalité. Dans le sens des requis de la loi. La légalité de la loi. Dit quoi? Prévoit quoi? Je ne peux pas prévoir déjà. D'accord. Donc on verra. Ok, président. Où sent le passé dans l'histoire comme un président Sénat qui coupé, en fait, pour répondre, si vous voulez, à une série de critiques, qui enlevait certains privilèges à vos collègues? Je ne sais pas si vous réagi à ça, je ne sais pas si content si ça n'a pas fait groigne au niveau des de pères conscrits, mais toujours est-il, l'information qui a circulé, c'est qu'on a coupé l'agent Poisson. C'était ça vraiment? Non, ce n'était pas une décision non, du sénateur Cantal, du président. Ah, mais de quoi était-il? C'était une décision de la conférence des présidents. Et décision, oui, ça dépend. Depuis... Sous la présidence de. Il dépend de... décision, ça dépend depuis sous Lambert. Ah, ok. Moi-même, je fais que appliquer décision. Ah, ben, oui, je fais que appliquer décision. Mais on est capable d'appliquer là, alors? Non, bon. En fait, on va décider en conférence des présidents. Il y a trois entités. Il y a la conférence, il y a l'Assemblée, qui est la première entité. Il y a la conférence des présidents. Ah, bon, pas crédit, non. Il y a le bureau. Même c'est crédit, non, le baron. Non, c'est pas vrai pour crédit, sous collègue. C'est ensemble nous avons décidé la conférence. On est modeste. C'est ensemble nous avons décidé la conférence des présidents. Depuis sous Lambert, nous avons dit que, allez, ça, nos papes, dans l'année 2018-2019, là, nos papes venus avec affaires. Et quelques subventions la couper. A fait subvention, l'agent Poisson, n'a pas coupé. Hein? L'agent qui a fait du sport au mois de juin et tout, n'a pas coupé. N'a pas coupé seulement subvention octobre et pour l'école ouverte, avec subvention décembre, les gains fêtes et fin de fin d'année. Le nous couper comme ça, sénateur, le nous couper, qui ça fait? C'est un agent qui est justement non utilisé, qui était dans le trésor public. Ou bien nous-mêmes nous pas prendre et nous canaliser vers un ou des projets X. Non, nous pas prendre du tout. Donc on a l'argent qui était là pour ça, donc coupé lui, donc automatiquement il retourne au niveau du trésor public. Parce que par contre, sénateur qui recevra un goût à Nessa pour faire l'argent poisson. Et comment vous avez répondu, qu'est-ce que vous avez fait pour répondre aux demandes conjoncturelles de vos mandants, puisque l'agent, ça nous t'a dit que nous pouvons utiliser pour bailler rara, pour payer rara et autres, ça ne fait. Mais grand pile de bonnes rara qui souffrent. Ah, ok. Grand pile de monde qui n'a pas attendu que je joue une cop, donc subvention coupée, et texte samedi la guerre, tout sénateur utilisé, je la guerre, puis on dit que vous avez une cop, demain au vide, donc il faut vous demander une subvention. Parce que normalement, ça défend pile critique, donc pour vous capoter critique sous dos, qui était plus très lourd, donc nous avons décidé ensemble de retirer, et à partir du moment ça, mandat de côté par eux, il a compris qu'il n'y a pas une subvention. Mais moi-même, en tant que en fait, sénateur dans le département de la Tibonite, moi, j'ai dépensé plus que ça que vous avez comme subvention, malgré pas une subvention. Allez, ça, je vais répondre peut-être moins. L'autre collègue au président qui va répondre peut-être tout. Et parce que, gagner, on peut s'occuper comme président du Sénat. Vous pensez que le président du Sénat, ou comme si toute bagarre là, c'est sous dos lié, ou grand pile pouvoir, ou grand pile responsabilité, ou grand pile pouvoir, ou en pile privilège, en pile prérogative. Donc, sous base, ça, il faut qu'on va regarder le bagaille. Donc, je suis une victime de poste que j'ai. Je suis obligé de marcher prêter à droite à gauche, chercher quoi à droite à gauche pour que je mette à la disposition pour payer de la rare. Ça arrive à plus que notre collègue tout. Mais moi, je suis vivre moi-même, je dépense près de 1,5 million de gouttes pour la rare. Et pour la rare pendant que je n'ai pas de subvention. Et docteur n'a pas fonctionné encore? Non, je fonctionne encore, Mabdou Wendel. Le sénateur, quand tu as vu, ne peut pas vivre avec l'argent
fait qu'on a l'argent qu'on nous donne au niveau du Sénat de la République. Et puis, il y a 80 000 gouttes par mois. Il y a 36 000 gouttes frais à un sénateur. Il fait 116 000 gouttes chaque sénateur recevoir. Pas plus. Il y a un petit peu qui est à l'étranger qui a étudié. Moi, j'ai fait obligation vis-à-vis de tête pour madame qui est ici en Haïti. Donc, vous pensez 116 000 gouttes qui a fait ça pour moi? Non. Je suis médecin. Je reste encore médecin. J'ai mon cabinet. Je travaille au niveau de mon cabinet. Disons pas personne interposé. Et je fais du commerce médical. Troisièmement, je suis en fait quelqu'un qui a beaucoup de connaissances en termes de relations, en termes de santé publique. Moi, j'ai des consultations à des ONG, à des privés, pour que je rentre comme là, quand même. Sinon, je ne peux pas vivre, Wendel. Quand pile bagarre a dit de sénateur qui plaît comme ceci, là, c'est pas vrai. Il y a un pile cause au dessous de sénateur. C'est pas vrai. Je pense que c'est une émission spéciale, Wendel. Ma vie pour m'expliquer qui ça sénateur passé. Hein? Ma vie pour m'expliquer qui type de vie que j'ai mené. Privilège ou gagné, sous mes bâtiments, caille. Vous pouvez arrêter la banque là en tant que sénateur, vous pouvez encore prêter, il y a point au lit, c'est ça qui vit déjà. Si vous avez un ami, par exemple, qui est un ministre qui dit, ah mon cher, et en fait, laissez-le faire une subvention, il y a une subvention encore, il va pas se couper. Donc, tel bagage à faire, tel projet, m'a porté telle subvention. C'est comme ça que le parlementaire a vivé l'argent, il dit que le parlementaire a gagné, qui a circulé dans les réseaux sociaux, qui a dit un peu partout au niveau de la presse. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas toujours ça. Est-ce que tu dis? Est-ce que pas gagné, par exemple? Ma prochaine exemple, Wendel. Le sénateur Cantave, m'a parlé peut-être point là. Il y a 400 000 gouttes, le recevoir chaque mois pour bureau. Chaque mois. Et chaque sénateur recevoir 400 000 gouttes pour bureau. Moi-même, avec 400 000 gouttes sénateur Cantave là, moi loué près de 6 bureaux dans le département de la Tibonite. Yon Gonaïve, Yon Saint-Michel, Yon Saint-Mac, qui au bout les derniers mois là, Yon, pour au bout les bureaux, il faut des bureaux. Yon au niveau de Verrette, Yon au niveau de Gaumont, Yon au niveau de Petite Rivière. 6 bureaux. Et m'employer 6 personnes dans chaque bureau et me paye 2000 dollars haïtiens, disons en moyenne, à chaque personne. Il m'a 36 par 2, il m'a 72 000 dollars. Imaginez combien était dans 80 000 dollars. C'était 8 000 dollars seulement. Et me louer taille, que me paye annuellement pour que me loger bureau. Ça. Alors, c'est un cas. Parce que récemment, tu as un rapport qui est sorti, il y a un pile parlementaire qui est touché comme là, mais pas un bureau. Il n'y a pas dit grand pile parlementaire. Il n'y a pas dit tout. Il n'y a pas dit tout. Nous imaginez. Il n'y a pas dit tout. Non, mais. Il y a un pile parlementaire, oui. Il y a 117 plus 29. C'est ça, Mdjoui. Oui. Mais le rapport a révélé que c'est des bureaux qui pas existé, mais l'argent. Il y a 117 plus 29. Il faut faire différence là. Bon, il y a un rapport. Il est supposé dire qu'au niveau de la Tibonite, il y a des bureaux. Il n'y a pas dit ça. Il y a 6 bureaux et qui marquent un nom dans le département de la Tibonite. Il y a même mentionné. Et ma 6 bureaux, je paye annuellement. Qui s'en paye 15 000 dollars, qui s'en paye 10 000 dollars, qui s'en paye 3 000 dollars américains par année. Et même 10 000 dollars haïtiens. Et gagne tout, en fait, dans chaque bureau, m'emploie 6 personnes, 6 par 6, ça donne 36, multiplié par 2 000, ça donne 72 000. Imaginez, regardez qu'on y a fait différence, ça pourrait combien crédit au niveau de 80 000. Donc, vous pensez comme si, sénateur, le groupe d'un menu, comme ça, au balia, sont comme les fruits dans le pochet. C'est ça, vous fait passer du mot comme tendance, comme information. Elle dit que 400 000 gouttes, 400 000 gouttes là, t'as le 400 000 gouttes là, vous faites qu'on est que sénateur. Vous mettez le poche, vous mettez le sous 80 000 gouttes, plus 36 000 gouttes là, fait 116 000 gouttes là, vous ajoutez le sous lit. Deuxième exemple, Wendel, faut que vous entendez. Vous bail 250 000 gouttes pour nous faire fête champêtre par mois. Je ne peux pas dire l'autre, mais après, là, je vais deux exemples. Le ou déplace son jazz pour venir jouer pour vous, minimum, il m'a donné 150 000 gouttes. Son, il m'a donné minimum, il m'a donné 100 000 gouttes. Fait 250 000 gouttes. Vous voyez comment, quoi, non? Troisièmement, il faut louer Stang pour journée, c'est 100 000 gouttes, fait 350 000 gouttes. Quatrièmement, les gens qui sont venus, les partisans, les sympathisants, dans cette champette-là, il faut mettre au cob. Il faut éclairer. C'est bien, ouais, qu'on y a. Et c'est cabri, c'est dur à quoi, c'est poulet. Il faut mettre au cob tout, 100 000 gouttes, ou bien, à peu près pour militants, il faut 500 000 gouttes. On a un mois, il y a 250 000 gouttes par mois. On a un mois, Wendel, on a trois fêtes champettes. Venez prendre ma route, par exemple. Machin, en août, Lester, en août, et ou prend un Rouge, Notre-Dame, en août. Donc chaque fête champêtre, comme nous là, obligé de dépenser pour chaque fête champêtre. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'eau pour 250 000 gouttes, c'est appauvri, il faut appauvri. Donc moi-même, bon moment, et plusieurs collègues ont plaidé pour que comme fête champêtre, la plus pas bailler. Encore. Pour que l'eau, nous n'avons pas de fête champêtre, que nous bâtissons, pas de comme. Parce que 250 000 gouttes, ça tourne au poison, au croque. Vas-y, moi le mot, pour un pile l'anneau. Donc, moi-même, obligé de mettre un sénateur de la tortue pour que les gens ne mettent pas avec pour que ensemble nous fassions des bagailles, pour nous respirer. Sinon, ou pas de kakembe. Donc, nous devons que la population comprenne ça. Mais si la parlementaire a passé avec l'argent, 250 000 gouttes, je dis au bail par mois, alors que chaque fête champêtre pour compte lui, c'est 500 000 gouttes. Et vous avez 3-4 fêtes champêtre dans le mois.
Donc, nous prenons deux exemples ça pour que nous soyons clairs, pour nous montrer que en pile bagaille a dit sous sénateur, en pile bagaille a dit sous député, il n'y a pas toujours ça. Il n'y a pas toujours ça. Dans le cas du deuxième rapport que je dois soumettre, la Cour des comptes et du contentieux administratif est dans lettre qui datait de jeudi 14 mars, tu mandé Sénat rapport financier à tout l'autre document administratif et technique relatif au projet géré par le GANCOR dont des fonds ont été décaissés du programme Petro-Caribé. Selon la lettre, 50 millions de gourdes ont été déposés sur le compte 12-12-63-700 du Sénat le 12 septembre 2012 dans le cadre du projet visant à renforcer l'institution. Est-ce que nous te répondons à la Cour des comptes? Oui, depuis longtemps. Et qui ça nous dit? Nous dit que un, c'est des collègues sénateurs de Racimon qui était président, en fait, qui était le président d'alors. Et non seulement nous jouons en toute pièce justificative, bien entendu, suivant l'administration, toute pièce avec question là, nous jouons toute pièce administrative relative à gestion, renforcement institutionnel, ça. Et, mais encore, gagner la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui m'a dit, il y a des informations, qui débat au nom favorable pour le président de Racimon qui vient déchargé, qui a l'élection à présent. Donc ça veut dire que le problème est réglé, le problème est résolu. Donc la Cour des comptes, tu es mal informé? Je n'ai pas dit que la Cour des comptes est mal informée, parce qu'il y a besoin d'informations, si il y a besoin d'informations, il y a un problème. Mais j'ai l'impression que la Cour des comptes, haute cour, de façon spécifique, ça c'est un rapport spécifique, ça lié. Ok, il n'y a pas un rapport juridictionnel. Okay. Un moment, président. Ou dit que un président des rats est jeune décharge de la part de la Cour des comptes, ou bien est-ce que c'est non, pas le moment qui va décharger? C'est samedi ou donc faut la Cour supérieure, on va arrêter au bataille de décharge, il faut que vous des comptes. Mais en fait, c'est ça, on dit oui, président. Il dit qu'au niveau du Parlement, c'est vous autres encore, nous-mêmes qui va être nos décharges. Moi, là, depuis 3 ans, au niveau du Parlement, moi, les sénateurs La Tortue, avec qui se a écrit Cour supérieure des comptes. Ok, moi ouais que puis on vient faire audit, n'est-ce pas, puis on va faire des charges, puis on va faire des charges. Moi ouais, sénateur Lambert, fait même Jean-Tou avec Kister qui est le gars qui c'est sénateur Longdieu. Donc moi-même c'est même bagarre moi le fais tout, moi-même avec sénateur Longdieu. Ça veut dire ça, donc, ça veut dire donc, que il faut un avis favorable de la Cour des comptes. Normalement. Mais après pour battre tout les. Normalement, c'est comme ça depuis 3 ans, pas qu'on avant. Mais depuis 3 ans là, moi c'est procédure ça, c'est lui-même que il a utilisé. Donc moi je pense que procédure ça, c'est la bonne procédure. Donc on suppose que là donne. Mon dernier point, président, qui le parlement local bâtiment parlement construit. Donc quoi, il a commencé déjà. On a parlé avec UCLBP. Et d'ailleurs, nous devons faire en sorte de cérémonie de lancement pour nous être capables de propulser ces questions, mettre plus d'impulsion là-dedans. Ouais. Donc, d'après les rencontres avec UCLBP, M. Keke Belizer, Clément Belizer, et je crois que déjà, ils ont commencé à mettre dans le Parlement déjà. Donc, naturellement, il y a des problèmes de trésorerie, je veux dire, je ne sais pas qui point ça y est. Donc, je vais bien me chiter avec eux au courant de ce moment-là, avant ce moment-là fini, je vais apporter plus de détails, plus d'informations pour vous. Est-ce que nous n'avons pas chemin, nous n'avons pas pris en route pour un remaniement de constitution? Bon, Sénat où ça n'y est. Donc, nous avons au niveau du Sénat en commission d'amendement constitutionnel. Je fais partie de la commission ça. Kédlé Augustin, collègue Kédlé Augustin, qui est président, sénateur La Tortue, sénateur Sorel Jasset, sénateur Dieudonné Don Luma. Nous tout dans la commission ça. Et on rapport préliminaire que, qui sortit là que le président de la commission saute bail là, Kédlé Augustin. Donc, au niveau de la Chambre des députés, nous avons que le collègue, comment il s'appelle déjà, Thierry, était combattu, il sortit tout. Donc, je pense que nous supposons ce travail pour nous acheminer vers ça. Je dis en parole, aller dans le sens pour ta refonte du système politique haïtien. Quelle est la position du président Cantave? Ensuite, il y a même ouais, que fonctionner sans le Parlement, retourner à un régime présidentiel ou présidentialiste, c'est un peu pour pays. Il y a qui que ce n'est pas nécessaire que nous ayons tout parlementaire. Quelle position, sénateur Cantave? D'abord, pour le système politique, le système politique. Non supposé qu'on refonte du système politique, non supposé qu'on réingénierie, n'est-ce pas, du système politique. Parce que moi-même, dans le système, je ne suis pas satisfait. Parce que moi-même, ça qui est important pour moi, c'est le peuple-là. C'est pour jouer une solution à la question de santé, éducation, des problèmes de fond. Santé, éducation, environnement, agriculture, chômage, emploi, sécurité. Donc, si le système, c'est ça la produit aujourd'hui, si on ne dit pas là qu'on peut faire refonte là, je me demande qui politique on fait. Parce que le peuple est en train de souffrir. La population est en train de souffrir. Donc il faut que y ait un chita tendé qui fait à l'échelle nationale pour que nous arrivions vers des extrêmes
qui va permettre que justement, en fait, la population a tiré le meilleur de Elulio en tant que mandat. Mm. Ok, donc moi c'est là que m'y est. Okay. Donc, au fond du système, il y a un problème à ça du tout. Maintenant pour le Parlement. Moi, il me voulait, en tant qu'acteur, participer à la donne. Un système qui mettait de côté le Parlement, sans penser. Moi, je crois que c'est un système qui pratiquement mettait de côté le Parlement déjà. Et nous, qui ça système dans tes bails. Donc, c'était la dictature. Non, non, c'était la dictature. Okay. Maintenant, où vivent après le fait de 9 ans, la dictature des Duvaliers, avec un Parlement qui pratiquement pas existé, qui était là de non, n'est-ce pas, en Chambre des députés qui était là de non, pas de Sénat, n'est-ce pas, et où est-ce que ça s'abaille. Et c'est un régime pratiquement, en fait, présidentialiste, à forte, et je dirais, inclination présidentialiste qui nous a gagné. Et où est-ce que ça s'abaille. Et nèg dans courir, nèg dans cacher, coup de zam, arrestation, exécution sommaire, etc., etc. Est-ce que c'est vers ça, l'on les donné, ou nous voulons que. Nous avons une démocratie qui est équilibrée, n'est-ce pas? Côté président fait le travail, mais vous parlez souvent de dictature parlementaire? Bon, on ne peut pas parler de dictature parlementaire, pour ça on est obligé de parler de dictature parlementaire. Non, parce que non, quand par exemple, un parlementaire, par exemple, et s'assied avec un président, il négocie. Il ne s'impose pas, il négocie. Ok. Si quand le président cède, c'est que le président est d'accord. Mais si le premier ministre cède, c'est que le premier ministre est d'accord. Donc, oui, sinon, on peut parler de négociation, sinon, pas de dictature. Parce sinon, mise en accusation, sinon, mise en accusation du président. Sinon, destitution du ministre ou du premier ministre. Non. On ne destitue pas comme ça un ministre au niveau du Parlement. On n'accuse pas, on ne met pas en accusation comme ça un président ou un fonctionnaire, un grand commis de l'État. Ce n'est pas comme ça. Donc, il faut qu'il y ait des raisons. Des motifs constitutionnels qui expliquent. Et à partir de ça, qu'on y est là, ou agiter question ça constitutionnelle, ça, ou qu'a fait. On va carrément, on peut mettre le roman de Wabaoul, et vous gonflez le somme à coup, dit bon, moi, je mettre en accusation le président, on va le décider tel ministre, mais qu'on raison quelconque, qu'on bagaille quelconque. Mais je ne parle pas de dictature. Ok, d'accord. Moi, j'aime vous là. Non, comprends nous déjà, on est d'accord avec vous. Bon, dis-moi, président Katav, maintenant, une question pour trois parlementaires. Qu'est-ce que vous pensez? Abdou. Je dis, nous avons besoin de faire développement. Pour nous faire développement, c'est travail pour nous travailler pour investissement dans le pays. Pour nous faire développement, c'est travail pour nous travailler pour augmenter l'assiette fiscale, combattre la corruption pour l'argent rentrer dans l'assiette de l'État. C'est goumé pour nous goumé pour fonctionner, nous pas fourrer, fourrer, mais qu'on s'apprend. C'est vers ça pour nous aller. Mm-hmm. Pour que nous gagnions assez d'argent, pour que nous arrivions dans le cadre de politique de décentralisation que nous voulons faire. Pour que nous arrivions à gagner, parce que toute communion s'est fait sans d'abri même aller, au lieu de nous réduire. Toute communion a gagné au moins un représentant pour que nous arrivions à faire la carte. On va demander aux politiciens. Attends. T'as gagné un sous-jeté neuf qui était en seule circonscription. Je suis de la Tibonine, je prends cet exemple parce que je suis de la Tibonine. En sous-jeté, c'est lui qui a gagné un pigou électoral par rapport à Terre-Neuve. En sous-jeté, toujours par les députés, pour la majeure partie du temps. Mais tout ça qu'a fait, c'est vous faites Terre-Neuve, toujours négligé. Vous ne pas jamais occuper Terre-Neuve. Terre-Neuve sont trop liés, côté vous abandonné à eux-mêmes, pas de pièces pour gérer l'infrastructure, pas gagné. Pas de lycée, pas gagné qui fait, pas gagné route, pas gagné. Alors qu'au niveau de l'Anse-Rouge, vous sentez qu'il y a une construction, il y a ceci, il y a un courant, vous avez mettre, il y a quelques tronçons, oui, vous faites. Mais au niveau de Terre-Neuve, pas de gagné. C'est les Terre-Neuve qui ont député par l'année là, oui. Qui ont commencé à faire un cadre de travail pour l'infrastructure au niveau de Terre-Neuve. Si bien que je dis, ah ouais, même route Terre-Neuve là. Ils ont commencé à faire. Ça veut dire que l'important, dans le cadre politique de développement, pour que la communion soit représentant. Donc, on n'est pas d'accord. On pas d'accord ni dans l'élimination parlement, ni dans la réduction. Non. Parce que moi-même. Et poste juste... Premier ministre, lui-même. Comment? Poste Premier ministre, vous pensez qu'il est important? Poste Premier ministre, là? Est-ce que vous pensez qu'il est important? Oui. Moi, je pense que pour le poste de Premier ministre, je ne vais pas répondre. Nous sommes en plein amendement. Je dirais constitutionnel. Moi, tu as préféré quitter collègues qui répondent au lieu que c'est moi qui réponds. On a fini le président avec une dernière question. Est-ce que parti côté créé, hein, qui est la Tibonne, Haïti en action, est-ce que l'on santé, en bonne santé? En très bonne santé. Mais pour que ça a une défection qu'a fait la dernière? Mais, ou tu as quitté lui ou aller dans un lot, après retourner? Pas mettre dans le cadre ça qui a fait, qui fait que. Ok, et Kounila. Moi, tu es en Haïti en action, c'est dommage conjoncturel qui fait que moi, tu as quitté Haïti en action. Et c'est moi. Qui c'est un principal protagoniste qui mettait Haïti en action campé. Pour ne pas dire c'est un principal fondateur Haïti en action. Quand tu fais un enfant, tu ne peux pas le laisser mourir par strangulation, par asphyxie. Donc, et tu ne peux pas le tuer non plus par strangulation. Haïti en action, c'est petit point. C'est progéniture, moi. C'est géniteur, lui. En tant que géniteur Haïti en action, le droit de l'élection, tu as une loi, un article. Dans chaque fondamental parti qui dit que le monde qui est sénateur déjà,
c'est lui pour aller à l'élection. On ne peut pas aller à l'élection dans la place. Willy Jean-Baptiste est sénateur. Donc, normalement, c'est lui pour aller. Moi-même, j'ai imposé pour m'aller. Mm-hmm. Donc là, c'est pratiquement une rencontre qui était faite au niveau de parti pour expliquer que mais on a un article qui défend que c'est moi qui allais. Mm-hmm. Et comme j'ai eu un appel, et j'ai dit qu'on est sénateur quand même, j'ai eu une grande motivation. C'est-à-dire avec ou sans parti, je connais ma sénateur depuis enfant. Je ne suis pas un homme ordinaire. Dans rêve, vous avez ça. Non, non, je ne vais pas vous entrer là parce que vous ne pas interprété, mais je ne suis pas un homme ordinaire, d'accord. Donc, je connais que ma sénateur. De toute façon, je connais ma sénateur. Si bien que je fais des discussions, alors on a la mode qui dit je ne sais pas aller quitter où il est allé, il me dit que Premier ministre, moi déjà sénateur. Et ma sénateur quand même. Mm-hmm. Donc, Anissa, c'est le moment pas maintenant. Mais je vis même genre Obama t'a dit c'est le moment pas là, Anissa. Et le sénateur, quand tu as dit c'est le moment pas là. Mm-hmm. Et bien, mal à l'élection. En face partie, moi gagné. Mais il reste le fait que partie, c'est petit point. Ok. Donc, c'est beaucoup. Il y a des sénateurs, il y a des collègues, il y a des sympathisants, et en fait, des partisans du parti, et des dirigeants qui relèvent, qui disent, quand tu as parti à notre FL, tu as un problème dans l'élection en face, tu as un problème, tout est venu pour nous bailler, partie à force. Eh bien, comme c'est principal, j'ai dit, partie, on retourne, venir bailler, partie à force. Retourner la caille. Mais je dis, là, sans parler de l'IA, nos partis politiques, toujours il y a des défections. Dans n'importe qui parti politique qui gagne au monde, toujours il y a des défections. Ou même dans le parti en fait, démocrate, il y a des défections. Dans le républicain, il y a des défections. Non, mais de même, dans le parti, ça tout, quand il y a des défections, mais les gens qui se représentent. Par exemple, pour un qui s'est animé, qu'on n'a pas animé pour nous, en fait, et festival. Et puis les gars, ils parlent encore. Oh, allez! Donc, ça, c'est pour les gens qui ont poids important dans l'organisation parti et dans sa capacité à Pakabay en termes de réalisation électorale. Ouais, et même en termes de réalisation sociale. Donc, là, pour l'autre, par exemple, qui vient quitter le parti qui dit bon, moi, c'est très heureux, je suis une personne qui chute à la porte comme Bali pour la contrôler, et puis il dit mais c'est celui-là. Ça, c'est pour les gens qui ont poids en termes d'organisation parti souterrain et en termes de résultats électoraux. Donc, nous sommes sur des défections, Mkabdou, qui ne gagnent pas vraiment. Ensuite, il y a des députés qui disent que nous ne sommes pas dans le parti après. Parce que je vais te dire quelque chose. Là, nos partis, ou suivent de façon littérale, les requêtes, n'est-ce pas, du parti. Mm-hmm. Figurez-vous où nos partis, par exemple, en 2008, Préval président, c'est à Préval où il est, le parti a dit mettez le côté lié ou à Préval. En 2010, il y a Matéli président, le parti a dit mettez le côté lié ou à Matéli. Mm-hmm. Privé Vini, Privé dit mettez le côté lié, le parti a dit lui-même, il y a face Privé, ou même, par exemple, ou avec qui Privé. Donc, je dis à mes partis, a dit tel autre côté ou tel autre côté, ça signifie ça. Donc, ou sont membres ou pas mon parti vraiment. Ou sont versatiles. Normalement, ou pas mon parti. Donc, ceci, ça pour vous dire que, pas quitter le cap d'eau, que vous êtes le parti. Ah, grand pile l'air qui dit qu'il a fait défection virtuellement depuis avant. Depuis avant. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Respect, sénateur. Merci parce que vous êtes disponible pour Métropole. À moi de vous remercier. On est content. Et merci pour les questions, en fait, pertinentes que vous m'aviez posées. Bon, je fais. Pas pertinentes, pertinentes. Je fais le travail, sénateur. Merci encore une fois.